Oui, Chacun mais son toi, tu truc. bois pas. Voilà. Chacun son truc. Voilà. Pour résumer. Si la Alors, glace était Doyo. avec... S'il y avait de l'alcool dans la glace, hein? Tu l'auras plus, je suis sûr. Déconne pas, j'adore le l'Irish Coffee. Hein, Pas de la glace, McFlurry c'est la tout à bière. fait. Mais Ah, McFlurry et la bière. Oh putain, faut trop qu'il fasse ça en fait. Oh! Voilà, ça y est. Saiga, à trouver. J'ai trouvé la glace parfaite pour tous ceux qui boivent. Oui. Je suis sûr que même Chuchu est d'accord. C'est obligatoire, de toute façon, elle n'a pas le choix. Je lui donne pas le choix. C'est obligatoire. Terminé. Tu crois qu'elles ont appris quelque chose sur l'accident sur cette pierre? J'ai hâte d'en savoir plus. Hey, la chambre! Antigel. Je veux m'assurer qu'elles vont bien. Oh. Comment Dépêchons-nous. allez-vous C'est moi tous qui fais les tout le trois? boulot, c'est ma gueule. Antigel encore, mais que d'antigel. Ensuite, un petit parasite maître. Zou. On approche. Ce qui signifie. Ce qui signifie que l'ennemi est bientôt là. Cinématique. Ça marche. Il a dit que tout il fallait inventer le McFlurry et la bière. Meilleure idée du monde. Tu crois que je suis congelé, hein? C'est Mr. Face qui a fait ça. Ah, bah je vais mettre Mr. Freeze. Ah, une belle gueule. Belle gueule de gazipop. Ça, c'est une tête de prédateur. Gros chat! Ah, Chuchu n'est pas d'accord. Deux. Ça gâcherait la bière, putain, mais non. Ouais, j'avoue que, mais. Ouf, mon épée! Là, lui, ça va être autre Oh, pas chose. forcément, regarde, la glace rhum raisin est terrible. Moi, j'aime pas le rhum. J'aime bien la glace au rhum raisin. Parce qu'elle a C'est raisin. cool, le rhum raisin. Ouais, parce que j'aime le raisin. Il les préfère sec. C'est super bon, les raisins secs. Celui qui dit le contraire n'est pas digne Ah, qu'est-ce qu'il fout, putain, de m'adresser Attends, la parole. il détruit le décor, lui, ou quoi? Ouais. En fait, t'es sur une paroi de glace qui est un peu en l'air, donc s'il tape fort dans le sol, en fait, ça te casse. Enfoiré, il fait une attaque latérale. Allez! Ouais, c'est ça, chuchu. Et qui crache de la glace. Non mais t'inquiète pas, toi tu vas arriver au théâtre bientôt là chouchou et tu vas voir ce que ça fait quand tu ouvres la tigre à dents de sabre volant. Lâche-moi, 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 lâche-moi. Lâche-le pas, lâche-le pas, lâche-le pas, lâche-le pas. Oh putain. Oh putain chouchou, là on va plus s'entendre. Ah ça craint. Comment ça c'est pas pour les vrais la tête? Elle préfère garder son plein. Je réfute. Je réfute entièrement. Qu'est-ce qu'il fout? Ok.
Ah, t'as cru que j'allais me faire affaire deux fois, hein. Oula, oula. Ah, c'est vrai que je te fournis en boisson chaude et Saiga. Saiga, si, c'est servi quand même. Saiga, prend pas la gueule. Mais j'arrive, Saiga, j'arrive, j'arrive. Panique pas, panique pas, panique pas. Je panique pas, hein. C'est juste que je suis KO. De la méga popo, vite! Non, pas par là! De la méga popo! Putain, mais j'ai popé, je sais pas où, moi, en plus. Attends, faut que j'arrive à me diriger vers toi. Putain, j'ai même pas le temps de le taper. Par là, par ici, par ici, par là. Bouf! Ah, je ne touche pas au genre. T'es fatigué, hein? Putain, puis je vais mettre 15 plombes à me déplacer parce qu'il neige. Tu vois, j'aime bien jouer avec Saiga, chuchu. Parce que Saiga, il prend pas 15 ans pour aller en quête. Exactement. Saiga se maquille pas avant de partir en quête. Il prend pas 10 ans. C'est cool. La préparation, j'aime bien, c'est pour Saiga. Les tapettes. Ouais. Mais tu vas arrêter de me défoncer la gueule comme ça dès que je te croise, toi. Donc elle est par là. Bouffe mon épée dans ta queue. Alors je oui, peux il te est stylé. Mes bâtards. Il est stylé, hein. Mais par contre, l'avoir à la maison, comment dire. Ça risque de mal finir. Faut viser les pattes au début, hein. Je vise ce que je peux sans prendre plein de poches. Non, mais viser les pattes, ça le rend moins agile. Ouais, ouais. Tirer les cachots quand même. Hein, oui. Ah oui, en fait, quand tu vois qu'il fait ses attaques sautées comme ça, il se casse la gueule. Du coup, c'est cool. Enfoiré, je vole. Laisse-moi m'enlever, laisse-moi m'enlever. Putain, ça va, mon armure porte beaucoup mieux la place que quand j'ai commencé. Ah, le stun! Aïe! Ouh la vache! Est-ce qu'on foire? Je me soigne un peu, je te rejoins. J'ai mis un ampli, ta gueule. Aïe, 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 aïe. Mais tu vas arrêter de me latter la gueule quand je mets un ampli, bâtard. Fils de pute. J'ai pas une seule fois le temps de me taper. Bouffe mon épée. Bah, c'est moi qui rajoute ton épée. Aïe.
Putain, mais tu vas prendre mes coups. Trop loin. Te casse pas quand je te l'attends, enfoiré. Dans l'ampli, ouais, il va. Hop, c'est bon, je finis de me soigner. On est guise, on se casse. Ouais, non. Juste tout à l'heure, elle lance une quête, elle a eu le temps de faire une pause maquillage, une pause pipi, elle était cherchée une pizza. Juste, tu crains. C'était long. Attends, c'est une femme. C'était pas long. Alors, dis un truc bien sexy, ça gueule, qu'on rigole. Si tu me prépares à son en 2019, tu vas te retrouver avec le fémen sur le dos, ça gueule, ça craint. Non, mais on devrait déjà l'avoir plus longtemps. Non, bouge. Ouf, je m'ai même pas visé. Et moi j'aime bien les femelles, hein. Elles se promènent à poil. Moi j'aime bien toi qui me foutes la paix. Moi j'aime bien tout le monde tant qu'on me fout la paix. Exactement. Allez, c'est l'heure du rodéo. Enfoiré. Petit blessé, profite pour l'attaquer. Bon, je vais mettre un ampli. Chuchu, tu l'invites en vocal. Elle veut parler. Ah. Oula, j'ai pas fait. En général, quand quelqu'un te dit, faut qu'on parle. Oh. Ouais, ça craint. C'est que j'ai cordé une connerie. Ah, ça après si tu veux, chouchou. Bien quand la vie sera terminée, si tu veux, on en refera une ou deux chasses. Histoire préfère avancer. Tu vois ça, les gars, c'est ça la psychologie féminine. Tu sais pas encore ce que t'as fait, mais t'essayes déjà de te faire pardonner. Si tu dis déjà ton seul atout, ça va pas marcher. Ah ouais. Ah, c'est pas mon seul atout. Ouais. Je suis un homme multifonction, multitâche, multitout. Je suis le cloudré. Boisson chaude. Ouais. Bon. C'est pas le tout de ça, mais ce con, il a un mur à bouffer. Aïe. Steve. Aïe. Fais gaffe, je crois qu'il y a un Toby Kadashi Viper qui passe souvent ici. Bon là il est pas affiché sur la carte donc normalement on craint rien mais... Dans la Pédéco ils se battront à deux. Là, j'ai eu un écopac pour un monstre inconnu. Utilise tes munitions de front quand il est près d'un mur comme ça. Ah putain, casse-toi Saga, casse-toi. Ah, je l'aime bien lui.
Wow, putain, il est mis cher. Oh, il lui a susurré dans la gorge. Il lui a dit, je vais te niquer d'os, bâtard. Et il a encore énervé ce con. Non mais il a laissé des poux. Aïe. Il s'envole. Mais tu vas monter dessus. Et je tombe. Mais toi du côté de sa tête, ça y va pour... pour le faire tourner. Si tu fais que B, en fait, tu vas niquer ton endurance pour rien. Merde, je reprends une boisson shot. Ah, sa merde. Culé. Allez, relève-toi, je vous souhaite. Aïe. Il est épuisé. Par là. Et tu vas aller ta gueule dans le mur. Fils de... Mais... Va ta gueule dans le mur quand je t'ai dit d'aller la gueule dans le mur. Tu te calmes. Tu t'es gueulé, je t'ai gueulé. Aïe. Aïe. Laisse-moi tranquille. Merde, j'ai plus vendu. Aïe. Allez, c'est pas grave, tu vas vite, voilà. Il va bouger. Là, c'est bizarre, j'ai pas encore pris plus, là. Oula. Aïe. Il m'énerve à s'énerver tout le temps, lui. Ah, il faut jamais que je monte sur la tête, c'est pas possible. Bon, ça tombe bien, moi aussi il se barre. Là, j'ai redéposé des munitions pour la fronte. Tu peux te servir allègrement, ça, gars. Tu veux me botter? Bien. Je sais pas, t'as pété quoi là? J'ai aucune idée, j'ai fait... Je crois que j'ai fait glisser en fait. Ah non, t'as cassé une partie. Bah un orteil alors, un truc comme ça. Ok, ils l'ont endormi les... Ah putain.
me soigne un coup, j'arrive. Bah, je me soigne aussi en fait. Attention, il y a sur toi. Ta gueule dans le mur. J'aime d'être obéissant. Ah là là. Là, je veux le même à la maison en fait, même mon chat il veut bien. Il est chaud. Enfoiré. Ah, j'ai pris la le Céline. Ah, il est tombé. On a cassé ses deux pattes, il commence à tomber tout seul en fait quand il atterrit. Je le sais en plus qu'il fait ça. Aïe, ma vie. Ah mais sérieux lui. Depuis un moment je regardais pas. Ah bâtard. La preuve que non, tu as oublié. J'ai oublié quoi? I don't know. Ah, j'ai oublié de l'inviter en vocal. Qu'est-ce qu'il a oublié, Chuchu? Faut le dire. Il faut le punir. Vous étiez donné un rendez-vous. N'oublie pas déguisé. Allez, t'es nul. Comment ça, je suis nul? J'ai rien fait. Tout ça parce qu'elle met 15 ans à se préparer pour une quête. Aïe. Ah, raté. Échec.
Je pose un amplificateur. Aïe, ouais, j'en aurais bien besoin. Il est où? Attention, il va revenir sur nous. Aïe aïe aïe. Non mais au bout d'un moment tu claques ou bâtard. Non, ouais, je claque, je suis pas dans ma gueule là, claque. Mais décidez pas mourir. Mourir, pas moi de. C'est long. Ah oh, juste à côté. Comme ma planète. C'est long, oui c'est long, oui. C'est un boss, ça monte en 5 APV Barrios. Hein. Et Saga est pas du tout équipé pour un truc comme ça aussi, accessoirement. Alors en plus du fait qu'on est deux, bah laisse tomber. Hein. Ça te rajoute de la difficulté. Et je crois que j'ai pas pris de quoi. Ouais, j'ai pas pris de quoi le capturer. Ça va être encore plus long. Ouais, il commence à s'épuiser tout seul, il y a 2-3 parties pétées. Ça va aller. Mais plus c'est long, plus c'est bon. La dernière fois j'ai fait une heure sur un bestiaux de merde. Parce que j'avais pas envie. Mais voilà, il y a toujours la technique du ta gueule dans le mur pour gagner un peu de temps. Voilà. Aïe. Allez, ça va. Là, je pensais qu'il allait être blessé, l'enfoiré, mais même pas. Il veut pas mourir, cet enfoiré. Oh, boisson chaude. Perso, il a fouet. Oui, il y a des méduses dans l'eau. Ah non, j'ai plus d'enduit. Encore? Non, Saga, me fais pas ça. S'il te plaît. Attends, je mange des rations X. C'est bien, Saga. Continue. Bon, t'as pas perdu énorme en vie, mais je vais poser un ampli. Voilà. Et c'est parti. Faut ah, c'est échec. Ah non, mais lui, j'ai du mal à monter dessus. Il bouge trop. J'ai pas de piège, mais j'ai juste de quoi faire dormir. Ah, il boite. Il boite. T'as dit quoi? J'ai pas de piège, mais... J'ai de quoi faire dormir. Ah, puis ton palico il a la vita guêpe, il a pas le kit de piège. Ah, ouais, mais il est penché, tout là-bas, tout là-haut, là-bas, au long, loin du long couloir. Il dort, il dort. Dommage qu'on ait pas de piège. Ouais. Et moi, pendant ce temps-là, je fous des carcasses. Aïe. Sinon, dans le pire des cas, je le garde, tu t'éloignes un peu pour faire de la grue et tu t'es au camp. Ça va aller vite. Bah... Oh, vache. Il y aura bien une mission pour capturer une autre fois. Foiré. Oh.
Ah, mais c'est juste pour pas perdre trop de temps en fait. Aïe! Ouais, il a des dents sabres à Crandari. Putain, il me roule dessus. Je viens de m'envoler. Ah putain. Ah je bute. Je sais pas combien il a de PV, mais putain. Ah ouais, t'as perdu la queue. C'est le moment de la dépasser. Ou pas. Je le tiens, il est sur moi. Ouais, il est fatigué. Ah non, non, ils ont pas vu que je la DPS. Bon, je te laisse te tenir, je vais dépasser. Vas-y Saga, tu peux le faire. Oh, je suis passé juste entre ces... Ah. Tourne. Voilà. T'as vu ? Il manque plus grand chose pour trigger. Ça aura pris qu'une heure et demie. Oh, t'as eu un objet rare. Très précieux. Mon précieux. Il y a une carcasse à côté à fouiller. Oh, on aura le temps normalement. Oui, enfin, oui. Cinématique. Ouais. Regardez, je le savais. Tu le savais qu'elle fait tout le boulot encore une fois. Merci d'être venu. Tu nous as sauvé la mise. Durant nos recherches, nous avons repéré un baryote. Alors nous nous sommes cachés.
Nous avons eu la possibilité d'explorer les environs. Premièrement, le bateau était recouvert d'entailles provenant d'une attaque. Mais ce n'est pas l'œuvre d'un Bariot, pour sûr. C'est le Kraken. C'est sûrement l'action de quelque chose de bien plus dangereux qui vibre ici. Et puis, on a trouvé ça. C'est récent. Celui qui a fait ça ne doit pas être loin. Et toi ? Tu as trouvé quelque chose ? De la viande. Des monstres gelés. Les Bariot ne sont pas capables de faire ce genre de choses. Et donc ? Ah, mais c'est pas vrai, putain, Nico, le con, encore, qui merde. Oh. Qui a tiré sa gueule? Quel est ce A qui m'intrigue tant? Mais quel bébé? Un gros dragon de glace. C'est le Veltana. Bon sang. C'était moi lui. C'est lui. Le monstre qui a attaqué le groupe de Legiana. Non. Il se dirige vers Astera. Incroyable. Tout le monde pensait que ce n'était qu'un mythe. C'est bien lui. Le Veltana. Et maintenant ? Crois en toi, petite lune. Tu te rapproches. Petite lune. Mais tu vas avoir besoin de son aide. Ah bah voilà, on va refaire tout le boulot. Moi j'en ai marre, je suis pas assez payé pour ces conneries. On se reverra. Mais je vous en supplie, surtout faites attention à vous. Heureusement qu'il y a de la bouffe. Ça gueule la bouffe. Ça gueule, vous voulez des bonbons. Les deux le plus motivés, c'est le palico. Allez, on prend tout. Flic diamant. Ça m'étonne qu'il y a aussi peu de gens qui l'ont fait. 2,4% des joueurs. Oh, c'est possible. Exactement, je suis la bouffe, c'est la vie. Sans bouffe, y a pas de vie. Ouais. Ça a un rapport privilégié avec la bouffe. Du sport, c'est pour manger. Et ouais.